Bon, il est presque 4h du matin. Je suis, regardez, à la Défense. Voilà, je suis en train de décoller pour le grenier qui se trouve tout là-bas, à Saint-Cloud. Donc c'est parti, let's go. Il est 4h du matin, 4h30 je pense. Ouais, là, la brocante elle est par là, il y a encore de la marche, il y a encore 300-400 mètres à faire. Pff, regardez, il fait encore nuit, il y a un oiseau qui chante là, il casse les rouignoles. J'espère trouver des choses à cette brocante. Hein. 4h du matin, ça pique. Je suis arrivé à la brocante, c'est juste ici. Bon, ça n'est pas grand monde. Hein. À 4h50, les stands sont en train de commencer à s'asseoir, comme vous pouvez le constater. Il y en a un peu partout. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas de jeux vidéo. Par contre, il y a des cartes Pokémon. Ça, j'en ai trouvé. Donc, on va attendre parce que tout ça, ça doit être rempli. Hein. Non, désolé, monsieur. Tout ça. Tout ça. Il n'y avait que ça après en jeu vidéo. Oui, oui. Je peux partir. Vous en avez d'autres ou pas? Ah, bah, ouais. Il n'y a pas de choses. C'est de quoi? De ça. Vous en avez d'autres comme ça? Non. Pas aujourd'hui, je n'en ai pas encore. Il faut regarder les vitres ou pas? Ah, bien sûr. Vous en faites quoi parce qu'il est vide celui-là? Ah, bon, dans le jeu. Bon, bah, je peux vous le prendre? Oui, merci, hein. Il du brumier. Ah, Kenji. Allez, celui-là, regarde. Combien est-il, là? C'est 80 pièces. One Punch Man. Les mangas, j'ai les mangas, t'avais dit, c'était combien? Ça. Ok, merci. Je vais partir. Bonjour. Bonne journée. Vous êtes à combien les mangas? Les mangas, ils sont à 4 euros, monsieur. Ah, 4 euros. Ouais. On va les prendre. Là, on regardez. Il y a encore le prix dessus? Ouais. Moi, je ne paye pas ce prix-là. Tu y vas à combien les cartes? En fait, c'est à l'unité. L'unité, tu fais combien avec l'unité à peu près? Bah, ça dépend de toutes les cartes. Hein. Ok. Attends. Bon, pour l'instant, il est plus de 5h du matin et j'ai rempli un petit peu le sac. C'est pas grand chose. Ça continue à s'installer. Je vous montre le décor. C'est là. Il y a beaucoup de ratisseurs. Je pense que vous en voyez peut-être derrière. Hein, les ratisseurs. Il y en a un paquet, mais on va y arriver. On va trouver. Là, il y a un Tintin. Tintin. Cinq. Vous faites combien les mangas du coup? Les collections. Si vous prenez les collections entières, je vous fais l'unité, enfin le prix à l'unité divisé par deux. C'est-à-dire oui. Genre, par exemple, divisé par deux, les combien les divisé par deux? Bah, en général, ça dépend des tomes parce que genre, les premiers en général ils sont moins chers. Mmh. Mais ça dépend pour quelle collection aussi, parce qu'ils sont pas tous au même prix. D'accord. Chocolat vanille, vous le faites à combien? Pardon? Chocolat vanille, vous le faites à combien? Ah, celui-là, je le fais 1,50€, ça ne coûte rien. Voilà.
1,50€ t'as vu. Moi j'ai déjà. Hein. J'ai déjà. Il y a quoi d'autre? Elles sont là, les chaussures, monsieur. Ouais. Vous sortez de ce sens, s'il vous plaît, je vous trouve la deuxième. Sortez de ce sens. Arrêtez, je vous trouve la deuxième. Oui, après, je ne peux pas vous les vendre tout de suite, c'est okay. Ce monsieur qui arrive. Ok. Vraiment, il est sur la route. Voilà, c'est ça. Tour de France et FIFA pour l'instant. Oui, non, non, ne vous inquiétez pas. Tant qu'il ne pleut pas, on reste là. Bon, on reste là, on est dans le coin. Merci. Vous êtes à combien les pop? 10 euros. 10 euros pièces. 10 euros pièces. L'autre, celui-là, en bas à droite. Bonjour, bonjour, ça combien? Ah, regarde. C'est ça. Bonjour, vous êtes à combien? C'est 10 euros. D'accord. Ok. Les mangas, c'est combien? 3 euros. Ouais, je vais faire 90. Ah ouais. Ah ouais, c'est... ouais, je sais qu'il est un petit peu cher, mais. Ah oui. Excusez-moi. Ouais. Ça a combien les pop? 10 euros. Ok. Paper Boy. Tetris. Ah ouais, ça. Au début, c'est la. Ah, c'est un vrai. Ouais, celui-là. Oui, c'est vrai. Il est vendu pour y avoir. Hein? Je vais le mettre de côté. Hein? Ça, je mets ça ici. T'as mis quoi, toi? Je mets ça. C'est de l'art. Il est vendu pour y avoir. Vas-y. Ah, il y a Alien. Ah, j'ai vu Alien, ouais. Je vais le mettre là. T'as bien regardé parce qu'il peut y avoir des trucs intéressants. Tetris. C'est un fake. Ça. Ah, Mario Picross. Tu l'as vu celui-là? On va regarder bien avant. Putain, Mario, putain, il a suivi. Il n'a pas tout vu, hein. Il n'a pas tout vu, attends. Mario. Je l'ai, celui-là. Le dragon, je l'ai. Regarde si tu le veux. Hein. Non. C'est en anglais, je pense. Tu nous fais un prix pour le lot. Hein. Si on dit 1000 euros, ça va quoi. Ah, 1000 euros, bah oui, bien sûr. 1000 euros, ça va. Tout le monde a ça dans son. J'ai ça dans la poche. Hein. Bon, je suis actuellement à Brocante et comme vous pouvez le voir, il pleut partout. C'est une catastrophe. Ça mouille de tous les côtés. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis allé avant. Bon bah c'est parti pour la deuxième rencontre de dimanche. Regardez, je suis à Courbevoie et ça commence déjà. Ouais, 20 fois. Ouais, bonjour. Bonjour. C'est combien, mon gars? Dragon Ball, par exemple. Dragon Ball, ça a augmenté. Ah bon? Ouais, okay. Il est mort la semaine dernière. Je sais, ouais, mais bon. Je sais pas. Moi, je suis dans une brocante, hein. Je suis dans une grenier, donc. Je vais pas acheter non plus. Ouais, mais bon. Ouais. D'accord. Et les mangas classiques comme ça là? Tu fais combien les mangas classiques?
manga classique, ça dépend, tu veux quoi, tout le long? Ouais, si je prenais le lot par exemple. Pardon, ici, c'est moi. Tu fais combien du coup? Les mangas Dofus par exemple, les One Piece. Dofus, One Piece, la Fus, il y en a combien? Il y en a 3. 2, 3, 4, 5. 5, c'est 8 euros. D'accord. Tu fais mon petit repérage en fait. Ok, ça marche. Désolé, j'ai qu'un euro. Donc c'est 10 euros, 20 euros. Il est encore fin, mais là il est grand, il est plus grand maintenant. Mais... C'est pour ça que je prenais toujours les trucs, vous savez, qui se. Déjà, madame. Bonjour, madame. Bonjour, c'est. Ça, ça va. C'est combien les Blu-ray, les DVD? Ah, je sais pas, je sais pas. Bonjour, vous êtes à combien les mangas? 3 euros ou 2 pour 5. Et d'accord. Là, les prix sont marqués. C'est ok. C'est mon tour, je regarde. Bonjour, vous êtes à combien les DVD et Blu-ray? Les Blu-ray, c'est 3 euros. D'accord. 1 euro 50 parce qu'ils sont complètement neufs. Ok. Un Power Rangers géant. Bonjour, vous êtes à combien celui-là? 1 euro. 1 euro? Je vous prends. Bonjour, vous êtes à combien l'album complet? L'album complet? Ouais, si tu vendais l'album pour savoir. C'est mon ami. 30 sans le classeur et 40 avec le classeur. D'accord. C'est surtout mon ami qui va être intéressé. Et... C'est combien le prix surtout? C'est ça. Lequel? Et je switch, ouais. 10, 15, ça dépend. D'accord, 10, 15. Après là, c'est 5 euros la panière au choix. Ok, ouais, non. Moi, si c'est décoloré, moi je comprends. Bon, je suis à la deuxième brocante. Regardez là, ça. J'ai le sac rempli. Regardez comme c'est immense. Franchement, c'est le paradis. On est encore en train de fouiller, voir s'il y a des choses. Parce que ça ne va pas être fini encore. Il va y avoir les sacs à ratisser là. Il va y avoir là, ici, là. Et c'est parti pour le compte-rendu de vide-grenier. Donc j'en ai fait 3 ce week-end. Et du coup, on va faire le compte-rendu maintenant. Les vide-greniers étaient assez pauvres en jeux vidéo. Donc là, honnêtement, il n'y a presque rien en matière de jeux vidéo. Donc, vous verrez, il n'y a que 2 malheureux, pauvres jeux qui se battent en duel. Donc trop de ratisseurs qui recherchent la même chose. Et pas assez de jeux dans ces vide-greniers. Mais j'ai quand même récupéré des choses bon, qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, mais qui s'y rapprochent. Donc nous allons commencer par un lot de BD. J'ai payé 2,80€. C'est des BD de Deadpool. Donc on va commencer avec le Deadpool numéro, le tome 1. Histoire de Deadpool en bande dessinée. Donc bon bah c'est pareil que les films. Hein. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est bien coloré. C'est bien violent. C'est vraiment trash. Hein. C'est vraiment trash, donc je sais même pas si je peux montrer ça sur YouTube. Voilà, bon, là, ça va encore, ça reste, voilà. Vous voyez le truc que c'est, hein, c'est Deadpool. On est dans l'univers de Deadpool. Donc j'ai récupéré le tome 1 et sa suite, donc le tome 2. Donc est-ce qu'ils ont un titre? Attendez, attendez, j'ai même pas dit les titres. Donc celui-là, c'est Deadpool Président. Et le tome 2, c'est Il y a le diable, le soleil et la mer. Donc ces deux tomes de Deadpool, je les ai payés 4 euros, soit 2 euros l'unité. Et tout de suite, nous allons passer au manga. Donc on va commencer par le premier manga, c'est le premier volume de Chocolat et Vanilla. Donc c'est une série qui existe en anime, en animation, et là aussi en manga. Donc Chocolat, c'est elle, Vanilla, c'est elle. Chocolat, hein, c'est en référence, alors, je pense, à leur couleur de cheveux, regardez. Couleur de cheveux un peu marron, et pour Vanilla, couleur de cheveux un peu jaune, comme un peu la vanille, on va dire. Donc le manga, il était quand même à 6,60€ hein, à la base, et j'ai réussi à le récupérer pour la somme de 2€. Et le deuxième manga que j'ai récupéré, c'est Chobits. Alors ça, pour ceux qui connaissent bien Chobits, c'est elle, hein, c'est le robot, en fait, c'est un androïde, on va dire ça comme ça. Elle a comme compagne Hideki. Hideki qui tombe dessus par hasard
et c'est une rencontre magnifique. Il va lui faire apprendre beaucoup de choses à Chobit. Donc c'est un manga super. Je crois qu'il n'y a que 5 tomes en manga, mais la série comprend beaucoup plus d'épisodes. Pareil, ça existe en série. C'est vraiment très intéressant. Regardez-moi ceci, c'est kawaii. Donc je vous fais montrer encore un autre extrait du manga. Et encore un autre. C'est un manga qui n'est pas tout récent, puisque si vous regardez bien à l'arrière, il y a le logo de Virgin Megastore. Il y a le prix, l'étiquette de Virgin Megastore qui valait 7,50€ à l'époque. Je récupère ce tome 5 pour la somme de 2€. Et ça fait plaisir de récupérer. Enfin, il ne me restera plus qu'à récupérer les 4 autres. Et tout de suite, nous allons passer au Blu-ray. Donc j'ai récupéré 2 films justement avec Vin Diesel. On va commencer par le premier, c'est les Chroniques de Riddick. Donc on peut le reconnaître, on reconnaît très bien, et puis en plus il y a son nom écrit dessus. Donc c'est la version Director's Cut, je ne possédais pas dans ma collection de Blu-ray. Je suis très content d'avoir récupéré parce que je vais pouvoir le regarder. Donc il y a plein de petits bonus, hein. Il y a les introductions de David Twohy, les commentaires audio, guide virtuel, journal de chasse, le secret des effets spéciaux, la visite guidée de Vin Diesel, on a les scènes coupées avec de nouveaux commentaires du réalisateur, création d'une nouvelle mec et l'évolution de Riddick. C'est dans les bonus. Il y a même des bonus haute définition que j'ai même pas vu. Il y a les chroniques intégrales et dissection d'un combat. Oula, pas du tout ça. Donc très content d'avoir récupéré ce Blu-ray pour la somme de 1€. Le deuxième film que j'ai récupéré avec l'acteur Vin Diesel qui jouait dans les chroniques de Riddick. Là cette fois-ci pour dans la même année, donc c'est-à-dire en 2008, ils ont sorti aussi le film Fast and Furious avec, regardez bien, on reconnaît aussi là, Vin Diesel. Donc Fast and Furious, vous connaissez, hein, il y a Paul Walker, il y a Jordana Brewster et surtout Michel Rodriguez qui avait joué dans Anteville. Donc dans cette version-là, hein, on a même le petit numérotage qui est juste sur le côté. On a une tonne de bonus, hein, je vais pas tous les dire, bon, je vais en citer quelques-uns. On avait prévu Turbo, thème musical de Fast and Furious, on a les bandes annonces et les commentaires. Bon. Je vous zappe tout le truc parce que sinon ça va durer une plombe. Donc c'est fait par Universal et c'est sorti en 2008. Donc celui-là, bien sûr, il y a hop, le petit Blu-ray. Donc je suis assez content d'avoir ça parce que je ne les possédais plus, les Fast and Furious, surtout en Blu-ray. Ça va être le top de la qualité pour les films. Le deuxième film que j'ai récupéré, c'est la suite du premier, c'est-à-dire le Too Fast, Too Furious, au pluriel, bien sûr. Donc c'est la suite de Fast and Furious, sauf que c'est 2 fois plus rapide et 2 fois plus furieux, hein. C'est ce qui est écrit dessus. Donc c'est le numéro, hein, le numéro 2, il est avec le CD, il y a même une petite pub à l'intérieur. Bon, pareil, il y a une tonne de bonus, hein. Bon, un peu moins que dans le premier. Alors on va en citer quelques-uns, on a les préludes de Too Fast and Too Furious, les scènes coupées, les scènes inédites, au cœur de Too Fast and Too Furious, cours de pilotage des acteurs, donc ça c'est intéressant. On a l'élaboration de la bande originale avec Ludacris. On a l'interview des acteurs. On a plein phare sur les voitures du film. Scène commentée par le réalisateur John Singleton et D-Box. D-Box, je sais pas ce que ça veut dire. Donc il est bien sûr complet. Bon, c'est pas un jeu vidéo, mais ça a le mérite de te montrer. Et là, nous allons passer au 2 seuls et uniques jeux que j'ai récupérés dans ces vides-greniers. J'en ai fait 3 ce week-end et 3 ou 4, je ne sais plus. En jeu vidéo, il y en avait bien sûr, hein, mais à des prix exorbitants. Il y avait quand même un centre que je connais très bien qui vendait plein de jeux de Mega Drive, de Super Nintendo et beaucoup de jeux de Game Boy. Il y avait des jeux de Game Boy qui m'intéressaient, le Mega Man et le Tortue Ninja. Mais ils les faisaient à 8€, ils ne voulaient pas du tout négocier. Donc du coup, j'ai préféré laisser tomber, peut-être une prochaine fois si je le revois. Je prendrai, hein, on verra s'il veut baisser. Quand même, dans ces brocantes, j'ai quand même réussi à extirper ces petits jeux. Donc, on va commencer par le premier que j'ai récupéré, c'est le Burnout 2 Point of Impact. Bon, il est assez sale, par contre, le boîtier est assez sale. Il faudra que je le nettoie ici. Regardez, ouais, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un autocollant qui devait être dessus. Bon, enfin, je ne l'avais pas dans la collection, donc maintenant je le possède, le Burnout 2. Hop, il est complet avec sa petite notice qui est. Ah oui, oula. Je n'avais pas vu ça par contre. La notice, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a fait Too Fast Too Furious aussi. Hein. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Il y a une littéralement, on dirait qu'il y a une voiture qui lui est roulée dessus. La notice. Je n'avais pas fait gaffe du tout. Bon, après, pour la somme de 2€, hein,
Et qu'à faire attention, tant pis pour moi. Donc c'est juste un coup de nettoyage, hein. Je sais pas ce que c'est. S'il y en a dans les commentaires qui peuvent identifier ce que c'est, hein, peut-être une roue de voiture, hein, on dirait vraiment ça, quoi. Donc j'ai récupéré Sir Burnout 2, Point of Impact, pour la somme de 2€. Et le deuxième jeu que j'ai récupéré, mais cette fois-ci pour la somme de 1€ uniquement. Normalement, j'ai dû le filmer, ça. Donc j'ai récupéré sur PS2 le jeu Ace Combat. Alors c'est le Squadron Leader que je ne possédais pas dans la collection. Donc là, je suis plutôt ravi d'avoir récupéré ce jeu-là. Comme ça, pouvoir le faire en let's play. Donc pareillement, il est complet. Il y a le CD. Bon, il est un petit peu rayé, pas très grave. Et celui-là, au moins, la notice, elle est nickel. Donc très content d'avoir récupéré ce Ace Combat Squadron Leader. C'est tout pour ce compte rendu de Vidéogronique qui est assez maigre comme vous pouvez le constater en matière de jeux vidéo, que de pauvres jeux pour le moment. Donc j'espère que la semaine prochaine ça va être mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous, ciao.